on se rapproche. On va être à 500 mètres. Et plus de la peine. Là, plus. Cabrières aussi, c'est là plus. Non, c'est. Ah, peut-être. Non, là, c'est toujours... là que je j'ai toujours dit les. Ouais, mais c'est marqué là. Dans les cartes, c'est marqué là. On prend le petit pont. Ah ouais, on va le lasser là-haut, dis. Là. Oh putain. C'est là-bas qu'on va rattraper l'eau. Ouais, moi j'ai passé juste à droite là. Oh, ben, je devrais pas tarder à arriver là. Ah ouais. Là qu'on va. Waouh. Par contre c'était raide là, hein. Jusqu'à maintenant. J'ai vu ce caillou là. Voilà, nous voici arrivés à la queue de la peine, enfin pas tout à fait, mais on l'aperçoit tout là-bas. Ça a l'air magnifique. Toujours dans la montée du col du Diable, on vient de faire 50 mètres en vélo. Depuis la queue, c'est tout ce qu'on a fait en vélo. Waouh. Finalement le tracé, ça allait bien. On s'est trompé nulle part. On s'approche du col du Diable. Diable. Vraiment il mérite son nom celui-là. C'est la montée du Diable. Alors, la pluie de la peine, la montée du Diable. Oh. Après il y a le col du Sauvage. Et après le col de Seine. On aura fait la tournée des cols. Non, je ne veux pas tenir dans le col du Diable. Ça a été nettoyé là. Hein. Ouais, ben on descend bien même. Hein. Prends la photo. Je prends la photo avec toi. Allez, vas-y. Prends un peu de temps, je regarde les clus. La clu. T'as vu tout ce qu'on a grimpé à pied depuis tout à l'heure? Voilà la clue de la peine tout en bas. On a enfin rattrapé le chemin qui va du col de la Cine qui est là-bas au col du Diable. En fait, de chemin, il doit passer une personne tous les 10 ans. Le cheval blanc. Bah, une mouche. Et on le devine, mais on ne le voit pas. Derrière le col du Diable où on va. On vient de là. Et on va là. Et on pousse encore. Qu'est-ce que c'est raide. Là il est plus loin le col, hein. Il est juste là. Sinon on a une belle vue. Hein.